T'as pris le medkit ou pas? Non, ah, mais tu l'as rempli. Non, mais c'est merveilleux. Bien sûr. On lui ouvre la porte? Bien sûr, on lui ouvre la porte. Allez. Oh mon dieu. Mais on ouvre, mec. On est des yes man. On y va, mon gars. Fils de... Oh, le dépouillage, il est fait. Oh, on a plus rien. Il a plus rien. On a tout perdu. Il nous a même pas laissé une soupe, le mec. Tout le reste, ça... Petit imbécile. T'es bête. Tu es fou. C'est ciao. Viens, fais une petite run du Reatomize d'avant, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y, ok, si ça te fait plaisir. Vas-y, Squeezie. J'en ai pas fini avec ce jeu, en fait. Viens, on fait Fatman déjà. Viens, on fait Fatman. Vas-y. Je pense que c'est un bomba, frère, on va se faire allumer. Vas-y, guide-moi sur la partie de loot là. Vas-y, c'est parti. Je fais quoi? Je fais con. Mais con, regarde autour de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je suis ma souris, je peux pas. Je fais quoi? Comment je la prends? Oh. Mais tu peux pas prendre, t'es bête ou quoi? Oh là là, vas-y. Attrape. Il est où l'abri? Attrape des trucs dans tes mains. Attrape des trucs dans tes mains. Jette là dehors. Je fais quoi? Là-bas, jette. C'est bon. Mais mate-toi, mec. Mais toi. Prends la valise, prends Protini. Comment j'envoie? Jette. Mais c'est oh bon, qu'est-ce qui m'énerve? Je t'en supplie. Une hache. Oui, d'accord. Prends tout ce qu'il y a près de la porte alors qu'il te reste du temps pour explorer. Osse. J'avais pas compris que c'est fallait cliquer puis recliquer. Le masque, le masque, le masque, le masque. Prends de l'eau de la bouffe, va dans la cuisine, l'eau de la bouffe. Cours. Non, j'ai le temps. T'as encore le temps. J'ai fait Fort Boyard. Vas-y. Pas mal. Vas-y, t'as plus le temps. Arrête. C'est bon, hey, c'est pas si mal. Arrête. Pourquoi tu m'engueules comme ça? Dégueulasse. Moi, je pense qu'on est très très bien. Non, bah regarde ton chat, mec, mais moi je vois le mien, il est désastre. C'est un désastre. Déjà, j'ai pris ma famille. Et je vous trouve très dur avec moi pour ça. On a plein de trucs, mec, regarde. Réo, laisse pas ton chat sur Hospital 666, il disait bouffon, il y a une différence, dégage. Ouvre le carnet. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps, c'était moi une. Tant qu'on est sur ça, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. On se souvient avoir placé quelques vives à va-vite dans l'abri, car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné peut parfois se révéler utile. Hop là, un medkit. Tu me remercies pas? Non, ça c'est okay, de la chatte. Hop, oh, mec, on a pas de bouffe du tout. T'as pas de radio, pas de carte, tu peux restart. Ok, ça part. Valise. L'eau, je m'en bats les couilles, il y en a plein. Ouais, t'en bats les couilles. La carte. Super. Vas-y, c'est bon, rentre. Ok. Je prends la meuf. Prends la bouffe, prends les trucs. Meuf, bouffe. Ok, dis-moi, je vais vite, pour pas de temps, vite. Va au fond. Lui? Ouais, vas-y. Ok. Le damier là? Je prends ça sur la route? Oui. Ok, il nous faut de la bouffe. T'es bien. Faut aller dans la cuisine, on est mort. Il faut radio carte. Prends le mec. Tu peux plus, prendre une bouffe. Ah, tu vois pourquoi faut prendre les gens? Faut prendre les gens au début. Prendre les gens au début, sinon tu te fais chier en fait. Prends de la bouffe. Elle est où la carte? Ok, là t'as un dernier retour. Ouf. J'en sais rien. Masque à droite là? C'est bon, c'est fini. Pas de radio, pas de carte. Pas si mal. Pas de radio, pas de carte. Non, les gars, je vous jure pas mal. Je vous jure, c'est pas mal. T'as pris le medkit ou pas? Non, ah, mais tu l'as rempli. Non, mais c'est merveilleux. J'ai la radio. La radio, elle était dedans? J'ai la radio et la carte. Ah, t'as de la chatte, hein. On se souvient avoir placé quelques vives à la va-vite dans l'abri parce qu'il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné parfois se révéler utile. Boum, radio, direct. Harmonica, directement. Ouais, les étagères sont remplies de boîtes, on va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a donné des petits noms. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. On n'a jamais vu un abri aussi bien imprévisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est paré. On est bien, mec. Donc là, c'est jour 5, l'eau, jour 7, la bouffe. Vrai ou faux? Exact. Vas-y, go. Une énorme run, mon squeeze. Ouais, mais l'autre, il va vouloir garder le phare radioactif et il va nous faire perdre. Non. Cette espèce nous a tourmenté toute la nuit pourvu que ça se reproduise plus. Dolores va plutôt bien. Enfin, elle a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Ted s'en valait bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Timmy n'en a pas l'air, il est plein de force, il se porte bien. Allez. Expédition, oui ou non? Oui, bien sûr. Non. Mais bien sûr, mec, tu crois que. Après, jour 2, c'est masque à gaz, t'oublies pas, hein. Valise, masque à gaz. Mary Jane, apparemment, elle meurt d'envie de sortir, donc on va la faire sortir, frérot. Vas-y. Carte, masque à gaz. Alors, ça, on s'en fout. Valise, carte, masque à gaz.
Frérot, on a une run exceptionnelle. Attends. Si tu la ruines, je vais t'en vouloir. L'eau, tu penses c'est de la grid ou pas? Retire-le, j'en veux pas. Et là, j'ai vu beaucoup de gens marquer pas d'eau dans son chat. Allez, elle va gagner. Elle a gagné. Et toi, tu prends des décisions à la va-vite alors qu'on a une super run. Arrête un peu, ça le fout. Mais c'est pas des décisions à la va-vite. Marie est sortie pourvu qu'elle revienne vite. Dolores va battre en temps sans eau. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, faut qu'ils boivent. Ils doivent tous boire, mais c'est pas avant le jour 5 à vous faire foutre. Difficile de pas sentir certaines odeurs dans un espace aussi restreint. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac, quelle horreur. Est-ce qu'on doit s'approcher pour voir d'où elle provient? Oh Locke, c'est quoi ça? T'es curieux ou pas? C'est pas, je suis curieux, c'est quoi les risques? Ça peut être de l'eau qui a été contaminée radioactivement. Vas-y, va chercher. Mais va chercher. Voilà. Pitié, on tu mettras pas ça sur le dos, hein? Non. T'as cliqué sur valider. Ouais. Ton choix a été fait aussi. Il faut régler le problème. Ouais, c'est bon, tout va bien. On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs de mutations diverses, mais rien. Enfin, si. Un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte, pensant qu'il en aurait plus besoin. On l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Et après tous ces efforts, il a mérité une fin digne. Boum, plus une soupe. Bon, on a gagné une soupe, mec. On prend 3 eaux. On est bien. Ouais. 5 de l'eau. Boum, on avance. Non, Marie-Jeanne, si elle revient pas, je pète les plombs. Si elle arrive là. Marie-Jeanne. Non! Aïe, putain! Non! Elle est pas morte! Jour 7, je l'ai nourrie. On dirait que des araignées ont été lues. T'as pas pris l'insecticide. Ça a essayé de durer, les pattes d'araignée dans la soupe, c'est terminé. Bah après, avec le kit, je peux dégager ça. Le kit médical pour des araignées, mec! Tu sais pourquoi elle est morte? Parce qu'il lui fallait de l'eau, putain! Laisse les araignées, on les bouffe. Elle est de retour! Elle est de retour, le bout de trappe. Oh! Rien de mieux que de voir un genre entrer sur la surface. Elle a juste ramené la valise, mec. Non, attends un peu. Oh. Deux soupes, deux os. Easy win. Oh. T'as gagné la hache en plus, mec. Oh là 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 là. On a perdu le masque. Oui, mais c'est normal, ça. On fait ça, non? On est trop bien, mec. Si on n'est pas des gros cons, on gagne. Elle nous a carry. Marie-Jeanne n'a pas dit pipé mot de la journée. Bizarre, on devrait lui demander ce qui va pas. Mais oui, communiquez. Aidez-vous. Parlez, les gars. Mais attends, il va pas se faire défoncer par les radiations, Timmy? Non, t'inquiète. On a plus le masque. T'entends qu'il y a des radiations. On a plus le masque. Marie-Jeanne a l'air fatiguée ces derniers temps. Elle a aucune énergie. Marie-Jeanne est affamée. Vas-y, tu sais quoi, mec? Tu veux tryhard? Je prends des notes. On lui donne la carte ou pas à Timmy? On lui donne la carte ou pas à ce con? Ouais, donne-lui la carte, je m'en bats les couilles. Je te fais confiance, on y va. Là, c'est une décision qu'on prend nous, sans vous, le chat. C'est notre run. Timmy est sorti de la brique, si on va bien pouvoir faire, s'il revient pas. Elle a encore faim là. Oh, Marie-Jeanne est affamée. Elle a encore faim? Mais on vient de lui donner. Non, clique sur suivant. Incroyable ça. Au revoir, Marie-Jeanne, merci Locke. Oui, tout le monde, c'est ça. Oh. Allez hop. Dolores a un petit creux, Dolores va pas tenir. Ok. Bah, tout va bien. Clique sur une soupe en bas. Arrête de cliquer comme ça, tu peux cliquer sur la soupe, ça donne à tout le monde. Je fais ce que je veux. Marie-Jeanne est revenue blessée au bras après sa expédition. Sinon elle, c'est un terrain de grave, on aurait dit une morsure. Aujourd'hui, la blessure se considérablement aggravée, on dirait qu'elle est infectée. Allez, super. Coupe. Non, pour quelle raison? Pour écho, le kit de soins. En effet, je vous avais pas écouté. C'est amputé. Voilà. Timmy? Oh là là, à la masterclass. Le damier, mec, on a gagné le damier. On a gagné une hache, une lampe torche, et je crois qu'on a gagné une de bouffe. Ouais, il est revenu avec tout en plus, mec. Waouh. Mais les pierres, on est manqué pas. Une soupe, une eau. Allez, c'est une gagné. Soupe, une c'est impossible. Eau, une lampe. Oh là là, on peut pas perdre. On peut pas perdre. Full écho alors qu'on a 40 000 bouffes. Oh putain, il se passe quoi là? On a quand même ignoré nos symptômes, on a essayé de dormir. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant. On essaie de nous attendre pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Dolores va pas tenir longtemps. Viens, on fait un reset de bouffe, s'il te plaît. Si t'as peur, vas-y. Vas-y, ok, on fait le maxi reset aujourd'hui. Je note bouffe et eau. XP ou pas XP, Locke? Attends, mais lui met pas la carte, hein. Ah bon? C'est pas utile? Bah, j'en sais rien, mec. Moi, pour moi, je lui donne la carte, c'est. Mais bon. Donc, toi, t'es team comme ça? Ouais, vas-y, ouais. Arrête de lire le chat, on y va! J'ai très peur, Locke. Locke, j'ai très très peur. J'ai très très peur de ce qu'on fait. Mais non, ça va bien se passer. Et merde. Il est malade. Marie-Jeanne, elle est malade aussi. Dans la on merde. On a deux là. Malades là. Vas-y, quitte sur Ted, on y va, on s'en fout. Et puis là, t'as reset bouffé haut, donc on s'en fout. Ouais, c'est jour 25. Oh non. Oh. Heureusement, on l'a gardé. Oh là là. Comment on l'aurait regretté, oh, sa grand-mère. Mec, je m'en serais mordu les doigts.
Un coup d'œil sur la carte, on a pu trouver lui en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Ted a l'air faible, s'il mange pas, même ça, on s'en fout. Ok, c'est tout. Ok. Il est plus malade. Hein. Notre patient s'est mis à rude épreuve dans cet abri. On voulait voir si la situation extérieure s'était améliorée, mais à peine sorti, on a aperçu des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. On n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est le chien. On met la lampe, non? T'en penses quoi? Ouais, ouais, mets la lampe. Mets la lampe. On peut même lui donner de la bouffe et le domestiquer. Ouais, mais une fois qu'on a identifié que c'était un chien, on lui donnera un bouffe, ouais. Ouais, bah là, ils vont dire que c'est un chien, regarde. Vu qu'on est riche. On a essayé de voir ce qu'on a fait, c'était un chien, il avait l'air fatigué, il a passé la nuit avec nous. On connaît la musique. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que nous, que lui nous a rendu visite, il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il y a dedans. On peut pas voir ce qu'il y a dedans, mais le marchand nous lance derrière. Vas-y. Ouais, ouais, gamble. Après, on va se faire niquer nos mères là. Oh, y'avait un chat! Oh, le chat, let's go! Mec, le chat, il est master play. À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Terrifiés, nous nous sommes collés au mur. La bête qui est parvenue à s'échapper n'est en fait qu'un chat domestique. Le flairant nous a gratifié d'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. Il a écrit Charikov son collier, c'est peut-être son nom. Y'a quoi dans le sac? Y'a que le chat, mec! On s'est fait niquer! Négociation business. Ça trop agressif. Trop agressif, ça dégage. Oh putain, on est encore malade, mec. Non, mais l'autre elle va revenir mais avec comment, des kits de soins. Comment? Mais un seul kit de soins, mec. Il était sympa le marchand, mais aucune de ses marchandises nous intéressait. Fin, c'est tout. Après, c'est l'état des persos, mec. Bouffer, c'est tout, y'a rien à faire, mec. Frérot. Oh! Elle est de retour! Oh. Avec des kits. Non. Oh, waouh! Comment? Il a eu un Covid agressif là, c'est quoi là? On a récupéré la hache, la valise, le jeu de dames. On a eu 2 bouteilles d'eau, 5 bouffes. Oh là 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 là. Il est mort de faim, mais Locke. Il est mort de faim. On a toute la bouffe du monde, il est mort de faim. Bah ouais, mais on m'avait dit 7, mec, donc là les calculs sont pas bons, chef. Ah, c'est la maladie, ça lui a niqué un jour de bouffe, peut-être. Bon, j'aimerais que t'arrêtes de faire l'énorme pince maintenant. Voilà, je t'explique. Non, attends. Gueule. Pourquoi l'eau là? Regarde, Dolores, elle vient de rentrer, s'il te plaît, tu peux regarder? Elle est malade. Non. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Faut qu'elle mange, laisse-moi. T'as pas vu l'hydratation, mec? Ils mangent et ils boivent. Ta gueule, sale pince que t'es. Oh là là, mec, ça se trouve, elle a pas soif du tout. Tu vas lui donner? On reverra Timmy, oui ou non? On renvoie Timmy, oui ou non? Vas-y. En essayant de casser ce petit diable, on a trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. Pourrait-il que ses présents propriétaires soient toujours dans le coin et meurent d'inquiétude? Les chances sont minces, mais on pourrait aller leur rendre visite, voir ce qu'il reste d'eux. Oui? Ouais, vas-y. Ils vont nous filer un med kit, on va pouvoir soigner Dolores. Go, boom. Go. En vrai, on était bien, hein. On aurait pu les manger. Hein. Non, il est covidé, non. Aïe, c'est terminé, mec, putain. On va redonner à Timmy, il a faim. Timmy, il a faim, vas-y, tiens. Ouais, mec. Oh. Elle est soignée. Elle est soignée, mec. Mais c'est un miracle. Lily. On est inquiet pour la santé mentale de Timmy, hein. Dolores est guérie. Let's go, baby. Il y a marqué qu'il faut qu'il mange encore. Mais la bouffe est guérie, du coup, en fait. On est mort. Non. Bien sûr qu'on n'est pas mort. On a des balles, tu mec. Tu vois la mouche, je suis foutu à la butte. On a des balles, vas-y. Lors d'un de ces épisodes de démence, vers 3h cette nuit, Charikov a couru sur le mur. Ah ouais, faisant tomber une brique décelée derrière, se trouvait une boîte à cigares contenant des munitions. Putain, merci. Donc, on donne de l'eau et on envoie Timmy en expé, oui ou non? Ouais, mais on aurait dû faire ça avant. Alors, si notre strat, c'était de tenir en truc, pourquoi on l'a pas fait avant? On aurait dû le faire avant, oui. Bah oui, bah donc là tu le fais maintenant, donc on a juste gaspillé des ressources dans le vide. Elle peut attendre jour 40 logiquement. Elle est pas malade. Ok, ça me va, allez go. Putain, on a pas de chat d'être tombé malade là, putain. Ouais. Ça nous met dans la merde, ça. Tuerait pour une gorgée d'eau, on lui donne de l'eau ou pas? Jour 41, eau. Frérot, on va être obligé de lancer une expé, je te le dis. On est obligé. Donne-lui de l'eau et envoie-lui. Ok. Ça me va. Timmy? XP? Vas-y. On est obligé de le kick, de toute façon, il consomme trop de ressources. Vas-y, dégage-le. Bonne chance à lui. Mais c'est pas barré? Ah, c'était pour aller au point de rendez-vous. Oh merde! Oh le con! Mais putain, il est tombé sur Timmy le fou! Au lieu qu'il y ait Dolores, la classe incarnée! On est allé au point de rendez-vous, un soldat à l'air sérieux nous a posé quelques questions, a pris des notes, nous a dit qu'il viendrait vers nous. On espère avoir fait bonne impression, mais bien sûr que non, regarde-le. Apparemment t'as pas cliqué. Il a vraiment besoin de manger. On lui donne une canne et bonne chance à lui. Voilà, ça te va. Vas-y. Allez, bonne chance à toi. Qu'est-ce qu'on lui met là? Je pense qu'il est cuit, viens, on met rien, mec. Et on va perdre trop de temps. Non, mets Damien. Damien, c'est juste le Damien. Ok, t'es sûr? Ouais. Ok. Vas-y, ciao, bye. Ciao, bisous.
Elle tousse, là, elle tousse comme un, putain, comme un homme. Alors, putain, ouais, ça, là, elle tousse comme un homme, ça fait peur, ça, frérot. Là, elle va. Mange ta mouche, mec. C'est bon, je l'ai enculé. C'est bon, c'est bon. Ça a marché. Elle a pas mangé depuis longtemps. Elle commence à être sérieusement déshydratée. Mais mec, c'est des vieux messages traduits aléatoirement. Frérot, on lui a donné de la bouffe. Jour 46, jour 47. Je t'écoute pas, elle est malade, je lui donne, c'est tout. Ce qu'on pensait être le tonnerre, c'est avéré être le bruit de quelqu'un frappant à la porte. Soit il voulait se défouler, soit il est impatient de nous voir. Est-ce qu'on lui ouvre la porte? On lui ouvre la porte? Bien sûr, on lui ouvre la porte. Allez. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais on ouvre, mec, on est des yes man, on y va, mon gars. Fils de. Oh 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 oh, le dépouillage, il est fait. Oh oh oh, on a plus rien. Y'a plus rien, on a tout perdu. Il nous a même pas laissé une soupe, le mec. Mais elle a un fusil et des balles. Dolores, sale co... Dolores ça fait, chez nous, toutes nos ressources ont été volées. Ils nous ont rien laissé, sauf quelques cassés. Ils ont tout pris. On prie. Mec, en vrai, y a un miracle qui arrive. C'est sûr, mec. C'est sûr, on peut pas être aussi bon, mec. Et rien à voir, on peut pas. Je suis fou à demander à l'un de leur rejoindre dans son labo pour une expérience. Vas-y. On sait pas vraiment en cause d'un homme, mais sur la maladie, et désolé, est-ce qu'on peut vraiment participer à ça? Qui serait le meilleur? Mais si elle part, ça met pas fin à la run? Bah, au moins, on a une fin, on n'a pas une bad ending à ce point-là, tu sais. Go, mec. Qu'est-ce que tu veux? On a plus rien, hein, c'est notre seule option. Oh, what the fuck? Elle est revenue dans son bunker préféré vide. Mais elle est revenue avec rien dans les mains, et elle est blessée. On va gagner, mec. C'est impossible d'être aussi gentil, mec, et de se faire baiser comme ça, c'est impossible. On l'envoie en XP ou pas? On peut pas. Ce matin, quelqu'un nous a réveillé en frappant la porte. Il frappait si fort qu'il a l'impression de trouver la porte. Est-ce qu'on lui ouvre? Bien sûr, on ouvre, bien sûr, on ouvre. Il a plus rien à voler, évidemment. Il a plus rien à voler, ouvre. Bien sûr, aidez-nous, monsieur. On est sauvés, c'est l'armée. On a gagné. Quelle émotion, ambulance militaire arrivée, les risques du radioactif sur l'uniforme n'ont rien gâché le spectacle. C'est peut-être le nouveau départ qu'on attendait, on croise les doigts. Dolores a beau garder la face, elle doit mourir de faim, elle est toujours aussi souffrante. Mais je m'en fous, elle est sauvée, Dolores. Voilà ce qu'elle est. Putain, on a gagné, mec. On a gagné. Bon, on a perdu toute la famille, mais on a gagné. Mais on s'en fout, vive Dolores. Easy win. Jour 55, mec, c'était une grosse run, les gars. C'est long ou pas, en vrai, pour une run de ce jeu, je connais pas. On a été bon, hein, en vrai de vrai.